Dans le cadre de la Semaine africaine des sciences au Mali, une compétition en robotique s'est déroulée lundi 21 octobre au centre robotique du Kabala. Cette compétition concerne les élèves de quelques établissements, notamment le lycée technique de Bamako, le lycée technique de Sévaré, le lycée privé Adiawiyoko de Ngolobougou, le lycée public de Kenyeba. Objectif, inciter davantage les élèves à choisir les filières scientifiques. Avant d'entamer les épreuves, les élèves ont bénéficié d'une formation en initiation en robotique, ce qui a motivé d'ailleurs les élèves à participer à ce concours. Les différents groupes ont été soumis à deux défis. Donc le premier défi sera, on va vous donner des tâches à exécuter, ok? Le deuxième sera des questions et des réponses. Donc ce sera un jeu où vous allez vous-même choisir votre question, votre point. Disons, vous allez choisir votre point et la question qui est derrière va sortir et vous allez répondre en un temps. Aujourd'hui, nous avons fait une petite conférence à Badalabou, puis nous sommes revenus. On a fait un petit test d'évaluation pour voir si nous avons bien compris ce que nous avons fait pendant les deux jours de formation. Il y a même des exercices que nous avons été laissés là pouvoir les faire. On est les meilleurs. Après les épreuves, le lycée privé Adiawiyoko de Ngolobougou est classé en premier rang. Le lycée technique de Sévaré a reçu le deuxième prix et le lycée technique de Bamako, troisième.